Coucou les filles, aujourd'hui je vais tester le Pure Magical Treatment. Donc c'est un masque pour les cheveux que j'ai commandé via Facebook. Et la nana dessus, elle avait des cheveux de rêve. Tout lisse, tout soyeux. J'espère vraiment que sur moi ça va donner le même résultat. Parce que vraiment, ses cheveux ils étaient magnifiques. Allez, j'y vais. J'ai dû me remouiller un peu les cheveux parce que ça s'applique sur les cheveux humides, un peu mouillés. Les miens sont très secs, donc je préfère qu'ils soient plus mouillés que humide. Donc je vais le faire en quatre parties pour que ce soit plus facile à appliquer. Hop, je l'ouvre. Ça sent super bon, franchement il donne envie hein. Allez, c'est parti. Je sais pas trop comment le mettre sur le mode d'emploi. Ils disent qu'il faut le mettre à 2-3 cm de la racine, qu'il faut masser un petit peu les cheveux, les coiffer un petit peu avec les doigts. Ça glisse tout seul. C'est vraiment agréable à mettre. J'aime bien pour l'instant. L'odeur, la texture me plaît plutôt bien. Et je m'attendais à ce que ce soit galère à mettre, mais en fait pas du tout. Je pense que ça va être très rapide. Donc il faut masser, coiffer les cheveux pendant 2-3 minutes. Hop. Ça y est, les cheveux sont déjà imbibés. Et ça sent vraiment, vraiment très très bon. Hop. Bon, bah, je vais attaquer le haut. Bah, au niveau de la texture, je suis super satisfaite, ça s'applique super bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. En plus, le pot n'est pas très grand, donc j'avais peur un peu de prendre la moitié du pot et de pouvoir faire que deux soins avec. Et non, finalement, il n'y a besoin de mettre qu'une ou deux, noisettes. En plus, moi, j'ai les cheveux longs et super secs, donc je m'attendais vraiment à ce que le pot il se vide d'un coup. Et non, je pense que je pourrais refaire deux, trois soins au moins avec. Alors après, pour la fréquence, je sais pas, c'est pas indiqué. Donc je sais pas s'il faut faire une fois par mois, une fois par semaine. Donc je pense que je vais faire plus une fois par semaine. Et puis je verrai bien. Donc bah là, faut laisser poser 5 minutes. Se rincer les cheveux. Je vais les rincer, les sécher au sèche-cheveux. Et puis hâte de voir le résultat. Alors au départ ça me faisait un peu peur parce que le soin il avait pas bien pénétré dans les cheveux, ils étaient toujours un peu secs et à fur et à mesure de les rincer, je sais pas si c'est l'eau qui a fait ça, ils devenaient tout doux. Donc je me suis dit bon bah rien n'est perdu, peut-être que ça va marcher. Et du coup je les ai séchés au sèche-cheveux, chose que je ne fais jamais. Parce que moi, le sèche-cheveux, ça me flingue littéralement les cheveux. Et là, pour le coup, non, pas du tout. Et je suis agréablement surprise parce que mes cheveux, ils sont tout raides. D'habitude, mes cheveux, ils sont frisés. J'ai voilà la touffe. Et là, pas du tout. Ils sont tout raides, tout beaux. Je me dis un petit coup de brosse lissante et ça va être juste le top. Donc, le soin, je l'ai acheté sur un site via Facebook, sur une pub. Comme je vous disais au début de la vidéo, alors ça donne pas le résultat que j'avais vu dans la pub, hein. C'est pas magique non plus, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Donc j'ai acheté le pot 20 € qui est à 120 ml, mais il y en a de 60 ml qui sont moitié prix. Donc si vous voulez le tester, au départ prenez le petit, comme ça ça évite d'acheter le grand, et comme ça vous pouvez le tester à moins cher du coup. Alors après, au niveau rapport qualité-prix, je sais pas trop si ça vaut le coup. Mais moi, je regrette pas de l'avoir acheté finalement parce que bah, c'est des résultats que je voulais, que mes cheveux soient raides, qu'ils soient moins touffus et qu'ils soient plus faciles à manier. C'est vraiment le résultat que je recherchais. Donc vraiment, pour les filles qui ont les cheveux secs et très volumineux, je le recommande. Vraiment, je le trouve bien. Je vous mettrai le résultat des cheveux lissés à la fin de la vidéo.
Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez déjà testé ce produit ou si vous comptez le tester, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. À liker ma vidéo si elle vous a été utile, si vous l'avez bien aimée. Et à vous abonner pour avoir mes futures vidéos. Merci beaucoup, à bientôt.